Bien, bonjour, je suis Francis Forbeau, le DIC de La Rochelle Université, et par la même occasion, je représente aussi une communauté dans le domaine de la mutualisation des systèmes d'information, qui est la communauté ESUP, ESUP Portail, qui est connue par un grand nombre d'entre nous. Alors, je suis présent ici aux Assises du CIR 2022. Et merci au CIR d'avoir réorganisé ces assises au printemps, fin du printemps, comme on avait l'habitude de faire depuis des années et des années. Moi, je suis fidèle aux assises puisque ça fera mes 17e assises. Je suis arrivé il y a 17 ans dans l'enseignement supérieur et la recherche et je n'ai raté jusqu'à présent aucune des assises. C'est vraiment un moment important dans notre communauté du numérique de savoir se retrouver entre collègues, déjà collègues qui sont bien souvent pour la plupart des amis. C'est l'occasion de partager, d'évoquer les atouts, les difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on a à coordonner un système d'information dans son établissement. C'est aussi l'occasion, les assises, c'est plus large que... Il y a une tendance aussi avec les métiers, c'est aussi l'occasion de partager des nouveautés, c'est la rencontre avec des décideurs dans le domaine du numérique, que ce soit avec la conférence des présidents d'université, qu'on appelle France Université maintenant, que ce soit notre ministère de tutelle, et puis c'est aussi des rencontres avec des fournisseurs, des prestataires. Donc, et ce que j'aime bien au niveau des assises, c'est aussi de retrouver aussi des jeunes collègues qui viennent pour la première fois à rencontrer d'autres établissements. Et je me souviens de mes premières assises, j'étais un peu perdu, d'une part parce que le mot CIR est difficile à prononcer, et puis j'ai apprécié quand je suis arrivé dans les assises de découvrir qu'il y avait une communauté de mutualisation très très accueillante, et donc je m'oblige un petit peu à chacune des assises de repérer depuis quels sont les nouveaux collègues qui arrivent pour savoir à mon tour les accueillir et leur souhaiter la bienvenue, et puis de leur faire comprendre que la mutualisation c'est une force impérative et qui nous aide dans notre quotidien. Et donc je suis avec impatience pour moi de retrouver toujours les assises à suivre, d'autant que c'est toujours dans des cadres on est toujours dans des superbes lieux. Merci.